Allez, c'est parti, bienvenue dans la QBI Team, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on continue notre petite session Resident Evil Village et on a terminé donc la résidence donc Beneviento avec la petite poupée maléfique là. Maintenant qu'on a pu la défoncer, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, on lui a quand même planté une paire de ciseaux en plein crâne. On a arrêté cette malédiction, on a récupéré le bocal et donc on va pouvoir lentement mais sûrement avancer vers la nouvelle session de jeu qui est apparemment donc Moro. Alors on va voir tous ensemble ce que ça représente, mais c'est une partie, donc c'est une nouvelle partie de la map. Il va falloir qu'on repasse par le village, mais d'abord il y a le retour à gérer. Et de deux. Voilà, donc le retour, c'est en fait le chemin de retour, c'est un petit peu modifié pour la maison Beneviento. C'est-à-dire que c'est pas juste une route à faire à pied sans embûche, puisque vous avez vu que là, il y a des nouveaux types de zombies, donc ils sortent de terre, ils sont un peu plus coriaces au niveau PV, j'ai l'impression. Voilà, donc l'idée c'est de rejoindre le duc, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on est revenu sur le duc. Alors franchement, là, il y a des nouveaux trucs dans la boutique qui sont en fait des recettes. Alors je vous laisserai les découvrir directement en ligne, mais c'est plutôt intéressant, vous allez voir. Vous pouvez en fait améliorer votre équipement directement. Cette partie du village, y a ce loup assez énorme. On a carrément un boss à gérer, donc je vais essayer de me le faire lentement. Je vais vous laisser ça à l'écran directement, sans faire trop de commentaires, juste pour être dans la bonne ambiance du jeu. Mais c'est vrai qu'il est plutôt coriace, il faut vraiment balancer énormément de balles et pour bien l'exploser, parce qu'il a beaucoup de points de vie et surtout il fait très très mal quand il attaque. Sachant que nous là ça va parce qu'on joue en mode normal. Mais si vous jouez niveau plus haut, je pense qu'il vous one-shot très facilement. Voilà, donc c'est parti pour le boss.
Bon, maintenant qu'on a bien fumé le boss et qu'on a fait le tour un petit peu de la dernière partie de ce village qu'on croyait connaître, hein. Apparemment il y a toujours des petites nouveautés. Là vous voyez qu'en fait on a une barrière qui est propre aux espèces de moisissures qui sont avec Moro. Donc là je vais pas m'en charger tout de suite. D'abord je vais aller vous montrer, voilà, dans une autre partie de la vidéo. J'ai d'abord refait un tour du village et il se trouve que je pouvais trouver le GM 79, donc c'est une arme qui est pas trop mal. En fait, c'est grâce à la clé en fer forgé que vous pouvez trouver ce trésor. C'est assez simple d'accès, donc faites-le. Franchement, c'est plutôt utile de débloquer plein d'armes. Et puis après, direction donc le marais avec donc la moisissure qu'on va pouvoir défoncer. C'est assez facile puisque en fait on peut y aller au couteau, utilisez pas vos balles, hein, directement on peut directement balancer des petits coups de couteau, et comme vous le voyez, ben ça ouvre l'accès directement et on a accès à la partie donc suivante du jeu pour aller voir Moro et donc découvrir ces petits moulins qui sont pas en super bon état mais qui sont quand même super stylés. Les décors sont très très sympas.
quoi ? Je me permets de prendre ça ? Attends. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère ? C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à redire ? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial ? Maman veut récupérer son bébé. Ne fous pas de ma gueule ! Attends, je t'en supplie ! Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi ! Mais si jamais, je fais mieux qu'eux ! J'en ai rien à foutre ! Attends, encore un petit peu, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Imbécile ! Tu parles trop ! C'est terminé ! Tu es pris au piège ! Qu'est-ce que tu dis ? Ici, c'est mon territoire. Et jamais je te laisserai partir. Putain de taré. Non, papa. Espèce de sale petit voleur. Je ne te laisserai pas la voir. Ah, comment je sors d'ici ? En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de décors qui sont quand même directement des grottes. Donc c'est assez sombre et c'est assez glauque, ce qui va bien avec le côté moisissure du personnage. Et puis là, on le rencontre assez rapidement. Et on trouve ça... Moi, je trouvais ça bizarre aussi de tomber directement sur le flacon... un petit peu trop facilement, donc apparemment je vais pas pouvoir le choper de suite. Voilà, donc on va devoir se sortir de ces grottes là, c'est assez labyrinthique, je pense qu'on va peut-être qu'on a des nouveaux types de persos qui vont débouler, on n'en sait rien. En tout cas, c'est pas parti pour que ce soit très très simple, et je crois que Moro sera directement le boss s'il se transforme, un peu comme dans les autres Resident Evil, il y a toujours des persos qui se transforment comme ça, qui deviennent méga puissants. C'est peut-être le cas pour Moro. Voilà, les grottes sont carrément plutôt un petit labyrinthe, on va voir ce que ça peut donner. En tout cas, là je pense que je suis en train de m'approcher d'une phase de combat plutôt sympa. On va se retrouver très vite, je vous mettrai ça dans la prochaine vidéo. On va voir comment ça évolue, si on peut avoir aussi des éléments du scénario qui font avancer les choses, parce que là c'est quand même assez faible sur l'histoire pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. Et donc je vous dis à très vite, bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo avec la suite donc de Moro et de Resident Evil.